C'est moi qui parle. Je suis la Joconde, la vraie, celle du tableau, celle du grand Léonard de Vinci. Vous savez bien, celle qui sourit du matin au soir. Ça me fatigue de sourire, mais si j'arrêtais, je perdrais mon emploi. Toute la journée, je vois passer des inconnus, toutes sortes d'inconnus, des petits, des grands, des Français, des non-Français. Ils ont l'air sérieux en me regardant. Ils me dévisagent souvent avec un air de connaisseur. Je souris, c'est ma vie. Des fois, il y a de ces inconnus qui ont de ces têtes trop drôles. Ça me fait mourir de rire, mais je... Dis maman, pourquoi elle tord la bouche, la dame? Parle plus bas, Ellie. On n'est pas dans la cour de récréation. C'est qui d'abord? Ce n'est pas n'importe qui, c'est la Joconde. Et pourquoi elle sourit? Sans doute parce qu'elle est heureuse. Mais pourquoi est-elle heureuse? Parce qu'elle pose pour un très grand peintre. Un peintre comme papa, qui repeint le salon? Mais non, un vrai peintre, Léonard de Vinci. Je suis le disco ball de Muran. J'ai envie de lancer mon disque. J'ai vraiment envie de lancer. De quoi j'ai l'air, moi, avec ce truc dans la main depuis si longtemps? Et puis, vous n'imaginez pas l'état de ma colonne vertébrale, penchée comme je suis. Et ce disque? Un jour, je vais le lancer. Monsieur, monsieur, c'est qui ce monsieur inconnu et musclé? Ah, mais c'est le disco ball. Elle représente un athlète au nom inconnu. Mais c'est quoi son assiette? C'est pas une assiette, c'est un disque. C'est pour ça qu'on l'appelle le disco ball. Mais pourquoi il lance ce disque? Pour gagner une médaille? Oui, sans doute, c'est pas important. Et la médaille, il la lance aussi? Bon, ça suffit. Dans un musée, on regarde et on pose pas de questions. Je suis le penseur. Je suis une statue de Rodin. Je pense et ce n'est pas de tout repos. Au début, je pensais à des choses graves, surtout inconnues. J'ai dû m'arrêter de penser. Je n'aurais pas tenu le coup. Alors, je me suis mis à penser plus légèrement. Je ne pensais à rien. La nuit, je pensais au noir. L'été, je pensais aux vacances. Je pense continuellement. Bien sûr, il m'arrive de penser à ne pas penser. Ah, je pense qu'il y a des visiteurs qui s'approchent. Je dois penser à penser, c'est mon boulot. Regarde la statue. Ah oui, on dirait bien que c'est un inconnu qui pense. Non mais, c'est le penseur, la statue de Rodin. Si tu le dis, as-tu déjà imaginé à quoi il pensait? Ah, il faut toujours que tu cherches midi à 14h. À mon avis, il pense à des pays inconnus. Ou tout simplement, il pense à nous. À la une, ce soir, un grand saut dans l'inconnu. Il semblerait que trois œuvres majeures du musée de l'inconnu se soient mystérieusement volatilisées. Tout de suite, notre reporter sur place. Je vous invite à l'intérieur du musée. Pour une raison inconnue, ces trois œuvres ont disparu. Voici le témoignage de trois voisins. J'ai entendu vers minuit un bruit inhabituel dans la rue. Un bruit inconnu, comme des pas qui résonnaient. J'ai remarqué que ces trois œuvres étaient bizarres, comme si quelque chose d'inconnu les avait envahies. Tout ce mystère, ça me panique. J'ai peur que si on ne résout pas cette enquête, ça sera le grand saut vers l'inconnu. Comme vous le voyez, il s'agit d'une équation à plusieurs inconnus. À vous les studios. Elle est pas belle la vie? Libérée, délivrée. Juste à temps pour la télé. En direct de Jeddah, pour les 10 ans des petits cinéastes du Golfe.